Ça y est, on arrive en Chine. Parfait. Ça va, tu tiens le coup? T'aurais dû me dénoncer. T'aurais été blanchi. Peut-être. Mais ça n'arrêterait pas Simmons. Et puis, je commence à m'habituer à ta présence. Je recharge mon arme avant. Oh, c'est bon, je suis là. Oh, il y a un flingue ici. Ah, le magnum. Oh, attends. Ça, je vais prendre. Voilà, dégonflé. Alors. Je sais que dans l'avion, il y a un emblème. Léon, Elena, vous me recevez? Il y a un problème avec la cloison étanche. Allez vers l'arrière de l'avion et... C'est grave, j'ai cloche. Peur à présent. Pourquoi? Parce que Yuka Mudo. Je regarde un petit peu ici. Il n'y a rien au cas où si on aurait des munitions. Tu sais jamais. Oh, on m'a fait peur ce con. Gagnez vos sièges et restez-y. Il y a juste un monstre dans l'avion. Quelle autorité. Ah, une plante. Mais ça, moi, je veux bien. Hop. Hop. Ça me fait un doliprane 500. Oh, pas très efficace. Là, il n'y a rien. Je me casse la figure, c'est bon, ça choque personne. Ouais, t'as vendu le gouvernement. Tu dois savoir tenir sur tes deux jambes. Normalement. Ouais, normalement. Y'a rien? Non. Hop. Oh. Ça me fait trop penser à Code Veronica. Quand on doit vaincre le tyran à la fin. Avec Resident Evil 3, c'est le seul que j'ai jamais terminé. Honte à moi. Bonsoir le gars. Ah, R6, c'est mauvais, Antaya. Attends, qu'est-ce que je raconte là? Mais non, ça va, c'est... C'est bien. C'est mauvais, Antaya. Ça me pique au cœur. Oh, Y'a un spray. Ouais, j'ai pris, direct. Ouais, c'est bon... Hey. Quoi? C'est bon, hein? Hey. Calme-toi, hein. Alors, tout à l'heure, il me crie dessus, alors... Il va me faire... Hey. C'est Elena. Bon. Je crois qu'on a réussi à temps. T'as con qui commence à bégayer. On t'a dit. On doit s'en débarrasser. C'est bien quand tu veux tirer que t'as pas de munitions. Voilà les commandes. Ouais, c'est malin que tu le dis. Bon bah tu me couvres. Je fais ce que je peux. Attends, je vais essayer de la tirer. Ouais.
Ouais, mais plus trop. Il vient vers toi, hein, il s'en fout de moi. Hop. Je fais ce que je peux, hein. Couteau. Je vais bail. Oh, ça sale, hein. Ah ouais, là c'est qu'une touche. Ok. Oh, tu te l'as pas prise. Ça c'est pas peu de chance. Eh, je me prends pas tout et je meurs pas non plus inutilement. Hein. C'était bon. Bah, je me suis pris une ambulance. Hashtag hésitation. Je me suis juste pris l'ambulance, le métro. Ah, l'emblème. Il n'est pas pris celui-là. Et où? Je savais qu'il y en avait un emblème. On est passé devant. Hein. Ouais. On est même passé devant une herbe, quoi. Attends, j'ai trop de balles. T'es reparti où? Ah, t'es complètement. Bon, écoute, j'ai pas le sens de l'orientation. Dégage. Attention, oh. À côté de toi. Hein. Devant toi. Allez hop, t'as vu? J'arrive headshot. Je crois bien que c'est le seul headshot que je ferais bien dans le jeu, tu vois. Et puis alors lui qui veut courir, enfin qui veut sauter. Bien joué. Merci. Elena. Derrière toi, hein. Mais je l'ai vu, hein. Moi, je l'ai vu quand j'étais déjà près de la planche. Enfin, de la planche. À mon avis, elle se réveille en fait quand t'actionnes le truc. Enfin, quand tu fais pour activer la QTE. Mmh. Ouais, le problème de pas voir la fibre A. Sur ce côté-là, je suis content. Je remercie la fibre tous les jours. Pareil. Surtout depuis j'ai augmenté le forfait, tu vois. Comme ça, j'ai tu as combien de mégas? Là, je suis à 1 giga. Oh, c'est énorme. Ouais, mais le problème, c'est en fait dans la pièce où est-ce que je joue principalement. En fait, le débit n'arrivait pas jusque-là. T'as dû tirer un câble? Bah ouais. Ouais, c'est ce que j'ai fait pour le PC. La play, je m'en fous un peu, mais plus important, c'est le PC. Donc, ben... Pour stream et tout ça. J'en ai profité pour pas tirer qu'un câble. J'en ai tiré 3-4. Ah oh bah comme ça. Comme ça voilà, toutes les consoles elles sont branchées. T'as quoi comme quoi? C'est pas vrai, c'est un cauchemar ou quoi? En ouvrant la porte, vous avez libéré de la pression et déstabilisé l'avion. Léon, tu vas devoir piloter cet avion. J'étais sûr que t'allais dire ça. Et moi je fais quoi? Je sais pas, cover. Ok, ça marche. Essaie de repousser ses ennemis. Les commandes manuelles. Bon bah je te couvre. Ensuite, appuie sur le troisième bouton de la quatrième rangée du panneau supérieur. Oh merde, on va se cracher. T'inquiète, je maîtrise derrière. Ah, pas moi. Ok, maintenant tu vas incliner le manche vers la droite. Si ça crame, ne te retourne surtout pas. Hein. J'ai pas attention, je suis trop occupé. Ça va, on reprend l'altitude.
pousse les gaz à fond. À fond. Ouais, bah elle est bien elle. Léon ? Chérie, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis en pleine mission. Ouais. On m'a dit que t'étais devenu agent. Qu'est-ce que tu fais là ? Je recherche le responsable, le conseiller de la sécurité, Simmons. Quoi ? Tu dois sûrement faire erreur, je travaille pour Simmons. C'est lui ton supérieur ? Nous avons rendez-vous avec lui maintenant. Où est-il ? Dis-le-moi. Hey ! Jake ! Laisse-moi gérer ça. Je croyais que t'étais censé éviter les contacts. Tout contact. Léon n'est pas n'importe qui. Il m'a sauvé la vie à Raccoon City. Je vois. Semelle. Bienvenue au club. T'y habitueras. Mais c'est toi de son bras ! Le fait en fait qu'il te poursuit dans tout le... Oui. Dans tout le niveau, c'est... Peut-être je crois que c'est ça qui m'a fait légèrement peur. Enfin, pas vraiment peur, tu vois, mais qui me faisait stresser, quoi. Enfin, ça va, pour moi, on arrive encore à l'esquiver, hein. Les esquives, c'est indispensable. Toi, t'es à l'ancienne. Ah ouais, vraiment, tu vois, j'ai gardé, tu vois, les anciennes tactiques. Par contre, voilà. Si tu pouvais faire très attention à toi. Mmh. Par contre, là, il a pris le truc, tu vois, il zigzague. Moi, j'ai pas le format automatique. Hein. C'est bon, faudra aller au fond, moi, je pense. Ouais, il va falloir bouger. Faut-on le prendre ici. En avant. Ouais, Léon, c'est un chef, y'a quoi. Ouais, sauf que, bah voilà, quoi, c'est quand moi qui va devoir faire corps tout le temps. Bah, RE3, c'est pire. Niveau poursuite, non. Ouais. Ah. Ouais. Salut chérie. T'as grave changé comparé au mois dernier. Oh, ah ouais, putain. Ah ouais. Je sais pas ce qui se passe de l'autre côté, mais je t'ai entendu crier. Bah, on va dire que j'ai pris cher, quoi. Par contre, elle me fait trop mal, quoi. Aucune arme de recharger. Ça va de ton côté ? Ouais, ça va, je maîtrise.
Je recharge mes armes, tu sais. Tu m'as déjà affronté et t'es toujours vivant. Ok, on y va. Mais fous de moi, je prends mon pied là. Pas vrai? Heureusement, j'ai pas été au milieu parce que je pense que je serais mort lamentablement. Il y a moyen. C'est tout, mais meilleur. Je suis restée sur le côté. Comment il tient le coup? J'étais concentrée, toi. Excellente question. Et à 4, on va peut-être réussir à l'achever. Ah bah. Mais tu n'as jamais fait du tout la partie. Je l'ai commencé. Et après. Après, voilà, c'est comment ça finit. J'ai raconté. Parce que lui, tu le croises beaucoup, hein. Ouais, bah, je pense que tu le vois au moins une fois sur chaque chapitre, hein. Ou comment il poursuit... Non, quand même pas. Enfin... Ah ouais, là, il rigole pas. Il trimballe une pièce de rechange. En tout cas, on peut dire qu'il est prévoyant. Niveau munitions, ça commence à être la déche. Hein. T'avais bien dit, indestructible. Ah. Je pensais que c'était une plaisanterie. Voilà, non. Elle. C'est tombé pour autant. Je fais de mon mieux, hein. Bon, et tout à coup, plus de munitions. Quoi, deux munitions de snipe. Poussez-vous. L'utiliser comme bouclier humain, je pense pas. Hein. Oh, je suis comme ça, j'ai évolué, tu sais, depuis. Ah ouais. Je t'ai perdu quand l'avion s'est écrasé. J'ai repris contact. La dernière fois que t'as voulu faire le bouclier humain, je me suis pris une pelle. Bah ça va, toi, tu t'es pas mangé un métro ou une ambulance ou tu vois un truc. Ouais, mais la pelle, c'est humiliant quand même. La pelle, en plus, elle était bien placée. Hein. Puis 2 minutes avant, c'est moi qui me la prends, quoi. Mais même dans... Pendant le montage, elle sort vraiment nulle part. C'est impossible pour à moi de l'esquiver. Chérie a dit qu'elle retrouverait Simmons dans l'immeuble Kunlang. Pour commencer, tu vas devoir traverser le marché en plein air, devant toi. Ah, j'aime pas le passage là. On va devoir encore se séparer. J'ai plus de balles. Désolé, j'avais faim. Vas-y. Attends. Au moins, il est déjà cuit. Par contre, est-ce que je prends une arme chargée au moins? Ça, bah, ça peut être pas mal. Oula. Par là. Ah non, pas. C'était quoi ça? Il y a pas de munitions. Je rate vraiment moi pour les munitions, hein, clairement. Le verrou est derrière. Ouais, tu vas devoir me faire passer dessus, comme par hasard, non? Je me rappelle plus, c'est un labyrinthe de ouf. Peut-être pas tout de suite. Il me semble que toi, tu vas devoir te battre. Ah, super. Je peux pas me battre. Je suis pas un gros bâton.
un moyen d'ouvrir ce truc. Donc là, là où est-ce que... Couchou. Ah, super. Sur le truc là, qu'on doit voir là sur la porte. Va falloir que tu me fais passer au-dessus. C'est pas vrai. C'est dégueulasse leur truc là. Ça explique pourquoi toute la rue est bloquée. Les habitants voulaient barrer le passage. J'en avais jamais vu un comme ça. Les pires choses quoi. Grave. Il faut pas qu'il y ait un truc que j'aime pas avec ceux de RE4. Ah ouais. Là. Elle nous manque lui. Ça marche pas. On va continuer longtemps comme ça. Si ça continue, on va manquer de munitions. Bah, je suis déjà à court de munitions, donc moi ça me dérange pas. Ah. Fermé, je prends ça. La main là. Et je me fais attaquer par cousin machin. Par la famille France. Adams. Allez, c'est parti. Donc, on va ouvrir là. Le plus simple, c'est que tu m'expédies tout de suite de l'autre côté. Enfin, pas là. Là, c'est la cuisine. C'est l'une des pires à voir. Ok. La première. Clé, elle est. Une clé de cadenas. Ok. Merde, je suis monté, moi. T'inquiète, je fais demi-tour. J'en ai récupéré une. Hein. Yep. Elena. Ensuite, il y en a une de l'autre côté. Par ici. Elle est pas d'échelle. Par ici. Oui, faut attaquer. J'arrive. J'ai entendu tirer. Il faut qu'on l'ouvre de l'autre côté. Ah, il y a un emblème. T'es où? Ah, okay. Juste dessus. Juste en dessous, là où est-ce que je suis, il y a un emblème. De toute façon, il n'y a que moi, je te balance et après je vais les récupérer. Aïe. Je récupère 2-3 trucs. Yep. Content que tu sois là. Content que tu sois là. C'est très gentil. Beau boulot. Attends, par contre, je vais devoir me soigner. Pas le choix si je veux pas crever. Ouais. Alors. Là, je peux pas passer. Tiens, j'en ai pour, pour les deux éclats, faut que je te balance. Hein. Ouais. Et je me prends déjà le chou avec un truc. Hein. Et que je retrouve l'échelle. Où est-ce qu'elle est? C'est pas ici. C'est pas là non plus. Je suis juste devant. En fait, t'as été où, toi, pour... Appuie sur enfoncer, ça te met la caméra sur moi. Ah bah attends, je peux t'ouvrir la porte, du coup. Bah ouais. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Coucou. Voilà. J'ai déjà été rechercher une clé, été chercher une clé, hein. Alors, ensuite... En avant. Ah oui. Re le gars. Waouh. J'ai répondu au chat, j'ai pas fait gaffe. Bien sûr, allez, recharge. Bien sûr, tu recharges l'autre. Merci. Alors, hop.
si là on peut pas monter. Bien sûr, on peut monter. Je crois à la base je vais de l'échelle là-haut. Attends, je vais juste ouvrir toutes les portes. En plus, ils ressemblent à rien, quoi, les monstres. Voilà, c'est vert. Non, ça va aller. Je vais me transformer. Allez, envole-toi. Allez, tu vas devoir me laisser toute seule. Ouais, t'as prouvé que tu sais te débrouiller. Ah oui, je sais me débrouiller. Hein. Je sais pas où je dois aller, mais je sais me débrouiller, t'inquiète. Je suis mon instinct. Mon instinct me dit que je vais être dans la merde dans peu de temps. Il y a les cuisines. Attends, je vais l'ouvrir. C'est bon. Bon. Hop, on va pouvoir aller chercher la deuxième clé. Et après la troisième, ce sera la plus chute. Ah, moi aussi, hein, je peux crier. Ah, je sais pas où t'es. Faut que tu m'ouvres une porte, non? Ça y est, j'ai déjà ouvert. Non, t'en as loupé une. Tu peux pas venir ici? Là où je suis. Le blanc. Celle-là, je l'avais pas vue, je pensais qu'il y avait qu'une seule porte. Attends, je vais t'ouvrir, voilà. Hop, merci. Ensuite, c'est direction là. Attention, il y en a un. Encore, tu pourrais mieux faire celui-là. Ah, encore la chose. Oh merde! Non, on me dit pas que. Bah écoute, tu vois, pour une fois, c'est pas moi qui. Voilà quoi! Punaise! Et je reste. Le petit RIP Léon. Bon, là on cherche pas, on ouvre. RT6 c'est triste. Ouais. Oh bah. Attention, il y a un renfort. Je crois qu'il y en a un qui t'a fait un coup. Merde, là, derrière toi. Il y en a devant la porte qui t'attend. Ouais. Voilà. Tiens, je te rends ta main. Oh, excuse. C'est rien. Ouais, mais moi, les munitions, là, ça pue. Il y a une qui sort. Du coup, je vais garder ma balle, on va fuir. Parce qu'il est mort, bien sûr. Attends, je vais le couper en deux. Ah non, non, non. Pas dans les toilettes, merde. C'est dégueulasse. Dégage. Je sais pas, c'est son kiff ou... Comment ça se passe? Sortir du contexte, c'est étrange. Putain, même pour mourir, quoi, il met 3 points. Ah, ça fait 2 fois que je te sauve. Oui, c'est bien. Alors maintenant, il elle m'a laissé mourir. Ah non, je t'ai pas laissé mourir, j'étais... Voilà, quoi, c'est pas de ma faute. C'est... Voilà, quoi. Ah là faut faire attention hein. Ouais. Alors... Faut aller là-haut. Pas non. Attends. Quoi? Nani? Si normalement il y a un truc. Il y a ma tête. Attends, je prends. Il y a beaucoup de points ici. C'est très gentil. Suis-moi. Ok. Suis-moi. Suis-moi. Bien suis-moi. Bien suis-moi. Bien suis-moi. Je peux pas là.
Voilà, elle m'a saoulé. Merci beaucoup. Merci. Tu l'as pris là le... Ouais. Enfin ouais. Ouais ouais. Tu vois, je t'aide ouais, encore et ça va pas. Donc quoi ouais, bah si, je te dis merci. Moi je dis, s'ils ont mis des aquariums comme ça, c'est pas pour rien. Ça fait quoi? Mais quel bouffon. Peut-être que je devrais couper le courant d'abord. Je suis vraiment nul. Le courant, je suis vraiment là, nul. Faut que je fais ton job en plus. Ouais, mais non, ça va, non? Attention, il y en a un qui te suit par derrière. Hop, je prends ça. C'est bien que... Je vais mettre sa main dans le micro-ondes. Ouvre le micro-ondes. Ah bah le feu. Et ça fait quoi? C'est vrai, c'est juste un petit kiff. Ah, ici, il y en a encore une demain. Attention derrière, hein. J'essaye de te couvrir, mais j'ai plus de balles. Bah, et toujours. Moi, je pense que c'est bon. Elle en profite pour se moquer de toi. Ouais, c'est bon, je crois qu'on peut avancer. Bah, je me sers pas de lui, c'est pas vrai. La preuve. On se tient en courant. T'as une belle vanne facile, j'ai vu ça hier. Avant-hier. Au plus, c'est simple, monsieur. C'est bon. Oh. Mais grave. J'ai la dernière. T'as vu des gueules. N'importe quoi. C'est honteux. Pourquoi je peux pas prendre de munitions? Je suis à court de munitions. Non. Je vais l'appeler deux flingues. Alors moi, tu vois, je te préviens, je te protège, et toi, t'as vu comment tu me descends? Quoi? T'es parti avant moi? Bah c'est pas vrai. Bah si. T'as été mettre là les deux clés, tu t'es barré. Mais ça, c'était il y a une demi-heure. J'ai mis les deux clés avant d'aller chercher la troisième. Et ça me dit rien, hein, vive la communication. Hein. Hein? Qu'est-ce que j'aime pas cet endroit. Regarde ça. Tu l'as fait exprès, oui. Non, je ne mourirai pas comme ça. Bah vas-y. Non. Allez hop. Lucas, elle a pris la confiance, elle commence à faire du hachis. La voie est libre. Ah ouais, bah ouais. Faut bien, hein. Par contre, bonjour les points, ni même bonjour les munitions, hein. Hier ça se prenait des ambulances et des métros, maintenant ça fait du hachis. Non mais la plus belle mort, tu seras d'accord avec moi, c'est l'ambulance. Merci ouais. Beaucoup. En mode de rien. Ada!
qu'on trouve des réponses. Bien joué, Teddy. J'avais pas... J'avais oublié cette mort. Bah, la mort du découpage tout à l'heure, c'était quand même une faute d'inattention, ça va. Hein. Ouais. Ça va. Hein. C'est bon, hein, je m'en souviens. Hein. Là, on arrive à mon passage préféré défi, du jeu. En défi, il faudrait refaire, tu vois, la, le scénario-là en professionnel, tu vois. Il faut bien sentir la douleur. Je l'avais fait, hein, pour platine. Ah, pour platine. On va trouver un autre moyen. Celui que j'ai souvent, enfin, en professionnel, c'était l'opération Raccoon City. Moi, j'ai pas accroché plus que ça. Je tiens, je l'ai fait peut-être une ou deux fois. Bon, normal, hein. Ah, ouais. Après, j'ai pas eu l'envie de... Non, non, c'est en mode professionnel. Qu'est-ce que j'aime ce passage. On doit atteindre l'ascenseur. Cours. Ah, ça je sais faire, ça courir je sais. Et si on arrive avant les deux gars à côté, mm-hmm. Tu peux avoir des trésors en haut. Je suis très heureuse de vous voir. La nouvelle déco vous plaît ? Mais pour ça faut prendre l'ascenseur. Glisse ! Ah, je me suis fait. J'ai glissé aussi mais je me suis fait avoir. J'ai vraiment pas le temps de jouer. Pardon ? D'où tu me sors ça ? Bah, quelle heure ? Eh merde, ah, tant pis. Ouais, mais nous on est des courageux. Ils sont arrivés avant. Mais c'est une blague, je l'ai cassé. On n'a pas le temps d'attendre. On va prendre l'escalier. J'ai plus de soins, j'ai plus rien. Attends. Vise voir pour que je vois ta barre de vie. Attends. Ah ouais, je peux pas viser. T'as de la vie sur... Non, j'ai plus de libra, mais ça va. Merci. On avait aussi besoin. Et là, c'est avec d'autres personnes aussi en ligne. Sinon, oui. Ok. Mais déjà là, normalement, c'est censé être des autres. Mais par contre, ça, on n'oublie pas. Et juste avant d'entrer, je vais recharger toutes mes armes. Mais pourquoi je peux pas prendre la balle de Magnum, sérieux? Ouais, moi c'est les mines, je les dégage. Hein. Alors là, normalement, j'avais un soin. Pourquoi je peux pas le prendre? Voilà. Ah, c'est bon. La salle avec les robots, il me semble que c'est justement avec Chris et Pierce. Yes. Mm-hmm. Ah non, non, autant pour moi. En fait, eux sont de l'autre côté. Quoi. Si tu te mets là, tu les vois. Et c'est pas des gars en réseau. Non. C'est... Ils sont un peu trop honnêtes. Ils vont tout droit. Ils font pas comme nous, ils cassent les caisses. Tu sais quoi en fait, les caisses on aurait dû les casser à la derrière, fin. Derrière il y en avait un. On aurait dû casser la caisse à la fin. C'est plus pratique pour esquiver les robots. Fermé. Ouais bon, besoin de mune quoi. Ouais, tu vas devoir tirer sur le robot d'abord. Du coup, qui protège qui? Bonne question. Vas-y, je te protège. Ici, nous avons mené des recherches vraiment fascinantes. Bon, robot, enfin... À l'écran. Va à l'écran, je m'occupe des robots. Mais à quoi elle joue? Je lui demanderai quand on l'aura attrapé. Bah non. Léon, Elena, à vous. Ah, comme c'est quand la culture, c'est pas encore... Et le système de sécurité est très efficace. Je continue de pirater, mais essayez d'ouvrir manuellement. Occupe-toi des ennemis. Je vais aider Onigad à déjouer la sécurité. Oh, les cuiteux, comme ça, qu'est-ce que j'aime pas. Dans la sécurité de la salle 0. Waouh. Bref, détecté dans la sécurité de la salle 1.
Ok, respire. On peut le faire. Ouais. Calme-toi, respire. Et Grace. Brèche détectée dans la sécurité de la salle 1. Brèche détectée dans la sécurité de la salle 1. Ah. Tu t'en sors bien. Tu y es presque. Ouais, presque. Brèche détectée dans la sécurité de la salle 1. Brèche détectée dans la sécurité de la salle 1. Ça veut. Brèche détectée dans la sécurité de la salle 1. Brèche détectée dans la sécurité de la salle. Ouais. Brèche détectée dans la sécurité de la salle. En fait, je leur redonne tous les robots. Brèche de la salle 0 en cours. C'est bon. Attrapons-la. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, on a quand même eu du trésor. Bon, tout ça pour ça. J'aurais aimé autre chose. Genre un truc max munitions ou des armes, tu vois. Hop, faux. Hop. Hey oh, c'est bon, hein. Pas la peine d'hurler. Hop, Ada. Ada, arrête! Il faut qu'on parle! Là, c'est ma scène préférée du jeu. Pareil. Les deux personnages préférés qui se rencontrent pour la première fois. C'était amusant. Pour la peine, je vais me muter après. Allez, Léna. Ada ! Mamie aime jouer à cache-cache. Elle est toujours comme ça ? Ne la perdez pas ! T'inquiète. Okay. On va le faire. La voilà, arrêtez-la. Je la vois. Qu'est-ce que tu fais là ? Baisse ton arme, Chris. C'est un témoin important, on a besoin d'elle. Un témoin ? C'est elle qui a causé tout ça ! Non, c'est pas elle, c'est Simmons, le conseiller de la sécurité. J'ai perdu tous mes hommes à cause d'elle ! Et moi j'ai perdu 70 000 personnes, dont le président à cause de Simmons. Elle travaille pour Neo Umbrella, tu sais ce que ça veut dire ? Ouais, je sais. Et tu vas quand même protéger cette femme ? Oui. Se charge de Ada. Occupe-toi de Simmons. Chris! Je sais que tu feras ce qu'il faut. T'es sûr qu'on peut compter sur lui? Il est là depuis aussi longtemps que moi. Je lui fais confiance. D'accord. Bien.
Il faut trouver Simmons. Super. Ah là-bas, il n'y a rien. À tout supplique, Richie Resident Evil. Voilà. Ah, il y a un spray, ça c'est bien vu. Oh, bien vu. J'ai jamais su qu'il était là, celui-là. Content que tu sois là. Là, c'était mes souvenirs qui parlaient. Je suis jamais allé dans cette pièce-là. Non. Non. Léon, Elena, à vous. Si les infos de Sherry sont bonnes, Simmons se trouve juste devant. Soyez prudents. Terminé. Mais franchement, je crois que c'est même la scène mythique de ce RE. Ah, tu vois, pour la première fois, Léon et Chris dans la même scène. C'est rare, quoi. Je crois que c'est la seule fois. Hein. Ouais. Mais même le fait, tu vois, que les scénarios, en fait, ils se rejoignent au bout d'un moment, c'est vraiment... C'est vachement bien foutu. Il y a rien... T'imagines, ils ont... non, ça aurait pas été possible, mais ça aurait été... Ouais, non, en fait, non, je dis de la merde. D'accord, Léon. T'es sûr de vouloir faire ça ? Comme le 2 et le 3, ils se passent exactement en même temps. Mm-hmm. Faire un petit kiff, tu vois, un petit mélange. On s'occupera de Ada plus tard. Attends, je recharge. Là, on doit se concentrer sur Simmons. J'en profite parce qu'après, ça va être okay. La mise. Allons arrêter cet enfoiré. Je t'ouvre la porte. Hein. Merci. Pour changer. C'est très gentil. Merci. Beau boulot. C'est très gentil. Merci beaucoup. Beau boulot. Voilà, il sait pas dire autre chose. Beau boulot. Merci beaucoup. Joli. Suis-moi. Je peux pas, là. Bien sûr. Bon, allez, faudrait peut-être d'accord, hein. Allez, je te suis. Un jeu avec Chris et Léon en coop, vous en direz quoi. Franchement, ça serait excellent. Ça serait excellent, mais ça ferait aussi trop de garçons et je sais que ça fera encore. La comic Capcom. Simmons. Eh bien, voilà qui est inattendu. Non, attendez. Ah, agent Birkin, vous tombez vraiment bien. Veuillez arrêter ces deux individus, je vous prie. Ils disent que vous êtes impliqué dans l'attentat. Est-ce que c'est vrai? Oh, ne me dites pas qu'ils s'amusent à crier ça sur tous les toits, quand même. Répondez-moi. C'est uniquement pour le bien des États-Unis et de la sécurité mondiale. Je vois pas comment la mort du président pourrait profiter au pays. Le président est mort? Oui, mais c'est Léon qu'il faut remercier pour ça. Soyez maudits, Simmons. Débarrassez-moi d'eux. Non, arrêtez ! C'est affreux. Ces deux-là peuvent encore nous servir. Vous devriez être plus prudent. D'accord, quel est le plan, monsieur le héros ? Vous pouvez atteindre cette porte ? Mais pourquoi on les bute pas ? Parce qu'il faut que tu protèges Chéri. Vous pourrez en finir. Je n'ai pas que ça à faire. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Tuer Simmons. Elle contient des informations pouvant arrêter le virus C. Simmons la veut. Merci. Je vais demander au FOS de vous protéger. On y va ! Alertez les hommes dehors.
Revenez ici. T'inquiète. Alors, par rapport à ton chat, bah vu que à la fin de l'œuvre 2, Léon Chéri et la sœur de Chris sont ensemble, on pourrait faire en sorte une suite de l'œuvre 2 et justement une attaque zombie qui s'en prendrait à eux. Bah à vrai dire, c'est pas vraiment possible, puisqu'en fait, à la fin de RE2, en fait, ça t'explique que tout le monde est parti de son côté, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'ils sont devenus juste après Il doit pas s'en bah, c'est surtout qu'ils sont en dehors de Raccoon City. Voilà. On va en finir. Avec le virus, il s'est pas échappé de la ville, parce que... entre temps... Voilà. RE2 et RE3, comme je disais tout à l'heure. Mm-hmm. Ah, parce que RE4, ça se passe en Espagne. C'est complètement autre chose, quoi. Et c'est... 98, c'est 5 ans après, je crois. Ouais. On vous aura, Simmons. Donc là, logiquement, toi, on me donne plein de munitions. Vous allez payer. Et je sais de quoi je parle. J'ai une dizaine de pages. Je deviens fou. Je suis pas en train de recommencer de nouveau parce que ça me plaît pas. Ah ouais? Non, mais ça. C'est. Je me suis donné un gros challenge, mais je vais le faire, hein. T'inquiète pas là, ne t'inquiète pas, on sera là pour te supporter. Là, je ferai attention avec maintenant avec les trains. Je peux pas prendre la plante rouge, j'en ai déjà deux. Ouais. Bon bah, on va devoir se séparer, hein. Je compte sur toi. Let's go, partner. Voilà, tu me prends avec, c'est bien. Bah ouais, tu sais. Rendez-vous, Simmons! C'est terminé! Vous me poursuivez alors que cette femme est en fuite! Quelle femme? Cette traîtresse, Ada Wong! Qui sait ce qu'elle nous prépare? Il y a une autre équipe à sa recherche. Mais vous, Simmons, vous êtes à nous. Vous êtes là pour venger le président, c'est bien ça, imbécile. S'il avait dévoilé la vérité sur Raccoon City, les États-Unis auraient perdu toute crédibilité et l'équilibre politique mondial se serait effondré. Pour éviter un désastre potentiel, vous en avez causé un autre, peu importe le nombre de victimes. Il fallait l'arrêter. Il menait mon pays et le monde au chaos total. Cette garce, comment a-t-elle pu oser me faire ça? Je peux te répondre à ton message, mais après cette scène, parce que ça va être long. Alors, ouais, avec RE3 et RE5. Pardon, il se passe facile 10 ans. Et on sait que Claire et Chris se retrouvent, parce que Claire, elle va en Europe chercher son frère. Que lui, en fait, il était parti de l'Europe. Parce que Chris, il était... parti en Europe pendant Resident Evil 2 et 3. En fait, il se retrouve après dans l'île, bah c'est comme Veronica en fait. Je sais pas du tout où faut aller. Ce qu'il ici. Faut faire. Là par là où il est sorti. Faut remonter. Ah ouais. Hop.
est trop rapide. J'ai une créature de Final Fantasy. Il y a un spray de premier secours sur la route. Hein. Ouais. Je suis pas mon cas en même temps. Hop. En fait, on peut monter. Ok. Elle est bien seule, ouais. Tu restes en haut, il remonte. Hein. Ouais. Je me retourne et je l'attends en bas. Je vais vous massacrer! Tiens, je te défonce! Tu veux que je joue? Non, j'attaque au corps à corps. Ouais, mais t'es complètement taré. Non, quand il prend sa forme humaine, après tu attaques au corps à corps. Ok, j'arrive et je me prends une droite. Ok. Attends. Merde. Oh putain! Ouais. Je veux aucun commentaire. C'est la première fois que je vois cette mort. Moi aussi. Il faut qu'on reste à distance tant que c'est possible. Ça fait quoi d'avoir une mort aussi ridicule, hein? Allez, tous les deux au diable. C'est humiliant. Ah bah, tu sais ce que j'ai ressenti lorsque je me suis mangé à métro. Ouais, mais c'est moi censé être le progrès dans la ville. Ouais. Allez, laisse-la. Ah, putain, je vais essayer de la... Je crois que je peux arriver à monter par ici. Hop. Je te suis, hein. Bon, ne reste pas trop derrière lui, fais attention à ne pas te manger de coups de pied et compagnie. Il est trop rapide, on doit l'attaquer des deux côtés. Voilà. Je vais vous massacrer. Je te défonce. Tu te défonces. Là où est-ce que je lui tire, franchement ça doit faire mal. Ah, j'ai pas vu. Ah bah vaut mieux pas. Le replay. Le replay va être à toi. Y'a aucune stabilité pour le... Vas-y, défonce-le. Ah bah. Déjà ? Elena, tout va bien ? Est-ce qu'on l'a tué ? Non, pas encore. Léon ! Entre Verrou, Luca X et R5, il a vécu d'autres moches. Tu cours, ça tue. R5 dans la timeline. Oh merde! Ouais, c'est vraiment la toute fin. Et entre temps, ben, entre le code Veronica et. Ouais, bah oui. Voilà. Je peux parler. Bon, attends. Entre Veronica et R5, en fait, ses aventures, ses révélations. Tu vois, franchement, pour une fois, je suis content parce que là, c'est vraiment que tu voulais les morts vraiment stupides. D'habitude, mais moi, je m'excuse. Là, c'est bien, tu montes. La merde. Tant qu'il va revenir sur moi, je vais rigoler. Transpiration. Ouais, franchement, c'est la transformation là en fait que j'ai plus de mal. Tu vois. Elle est trop space. En fait, je tire juste sur la jambe. Attends, je vais sortir plus à confiance. Oh merde.
Attends, j'ai le peu pour me claquer. J'ai failli le foirer. Hein. Y'a pas que toi. J'étais à peu de choses, quoi. Pourtant, Chris paraît plus jeune. Dans 7, ouais, mais après, ah, je suis pas d'accord pour leur changement de design. C'est un reboot, hein, en quelque sorte. Là, on arrive vraiment sur autre chose. Ouais. À vous. On escorte des civils de Tachi pour les mettre à l'abri. C'est vraiment super, hein. Là, il n'y a rien. Ça mériterait une photo comme ça. Ouais. Putain, je sais pas si je peux faire une photo. Attends, mets-toi voir à côté. Je sais pas si je peux faire une photo pendant que je stream avec la Vermedia. Je vais essayer. Ah. Comme ça, vous entendez le son de la Vermina qui se lance. Je suis totalement d'accord avec vous, à moins que RE7 ça marche pas. Préquel à RE1. Je pense pas. Du coup, je vais me servir de ton. De ton tuche pour faire une. Un screen. Parce que moi j'ai le chat et tout pour la photo. En tout cas, les décors, je pense, sont super bien. Okay. J'attends que t'arrêtes de bouger. Voilà. Et c'est con, c'est qu'ils ont pas mis le mode photo. Comme pour Devil May Cry 5. Ouais, un bon petit mode photo, ça aurait été top. Tu crois qu'il est mort? Je sais pas, mais on a fait ce qu'on a pu. Allons-y. C'est bon, je suis là. Chris est un peu maigre, non? Bah, c'est que je sais pas qu'est-ce qui leur a passé dans la tête à Capcom de dire tiens, si on changeait. Voilà quoi. Là, de notre tout premier personnage. Non, dans le 6, franchement, il est bien.
C'est fini? Oui. C'est fini. Léon, nous avons un problème. Chéri et son compagnon ont été enlevés. Ils sont dans un champ pétrolifère sous-marin à une centaine de kilomètres de vous. Enlevés? Pourquoi? Les dossiers. Ce qu'elle nous a donné. Mais attends. C'est la clé pour arrêter le virus C, c'est... Jake. Hannigan, vérifie s'il existe une unité du BSA près du champ pétrolifère. Un instant. Qu'est-ce que c'est? Ok, j'ai un Chris Redfield en ligne. Je te mets en contact avec lui. Chris Redfield? Léon! Léon, où t'es? Chris, on est devant Tachi, pourquoi? Barrez-vous d'ici! J'ai trop à mort. Bah ça va hein. Pour une fois j'ai pas de mort, t'as vu? Tu te rends compte, j'ai pas les 3 morts, j'ai un S. Ouais. Tant pis. Ça sera une prochaine fois. Ok. Je vais voir si je peux améliorer quand même 2-3 trucs. 29 000. Oh. Je peux même pas... Autant acheter. Putain, j'avoue, ça c'est le prochain truc. C'est parti. Let's go.